Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation, ils pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. L'OGC Nice a donc choisi d'évoluer en 3-4-3. Dites-moi, Darren, qu'en pensez-vous? Lorsqu'on choisit cette tactique, c'est qu'on fait confiance à son équipe. Hugo équilibre. Il faut des joueurs intelligents et capables de s'adapter rapidement. Après, l'avantage, c'est qu'on peut aligner beaucoup de joueurs à vocation offensive. Ça peut apporter du mouvement et pas mal de solutions. Et donc, donner le tournis à la défense adverse. L'arbitre donne le coup d'envoi. Dante qui a un peu d'espace. Dombélé. Un long ballon vers l'avant. Le jeu repart vers la droite. C'est parfait, magnifique. C'est récupéré facilement. Coup franc pour Nice. Avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Il cherche son coéquipier. Il relance côté droit. Il décide d'allonger le jeu. Et ça va vite sur l'aile gauche. Un centre bien placé. Ça sent la frappe. Le jeu repart vers la droite. Il préfère repasser derrière. Ah, c'est du solide en face. Attention, la frappe! C'est joué court à deux. Le centre. Il met la tête. Oh, quel bel arrêt! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Faute. Dembélé. Dembélé qui est forcé de temporiser un peu là. Le centre est parti. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là.
difficile de réussir son tir dans ces conditions. Il allonge vers l'avant. Marquinhos. Le Paris Saint-Germain qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Le tacle. C'est dégagé loin. Hakimi. Je me faisais une réflexion, Grégoire. On les voit tenter beaucoup de centres. Mais il ferait bien de varier un peu plus le jeu, non? D'accord avec vous, Langlish. Ils ont quand même des joueurs capables de faire autre chose que systématiquement déborder et centrer. Et oui, voilà. Et en plus, ça risque de surprendre et de déstabiliser leur adversaire. Donc ça va partir vite. C'est joué long. Cette possession un peu stérile. Il y a peut-être un coup à jouer. Hakimi. Dans l'espace. Bien joué ça. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est osé. Il relance côté droit. Bien, la profondeur. Il va provoquer. Le soutien derrière lui. La frappe! Le bon ballon. Il joue en profondeur. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne interception, il y avait danger. Ça joue long vers l'avant. La passe en retrait vers son défenseur. La longue passe pour filer droit au but. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Il ne résiste pas au contact. Ça peut être dangereux. Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Hakimi. Oh, voici Dembélé. Bien joué ça. Et il cède sous la pression. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. Coup franc pour Nice.
l'OGC Nice qui essaye de construire. Oh, l'intervention! Il peut y aller! Il était attentif. Bien joué. Coup franc pour Nice. Faut frapper là. Voici Dembélé, le bon dribble. Dembélé en retrait. En la profondeur, bien vu. La tentative! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Le Paris Saint-Germain, il est passé à un rien d'ouvrir le score. Bon, il reste toute la seconde période pour faire la différence. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. C'est un match fermé pour le moment, on va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il y aura donc touche. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Oh, c'est chaud. La frappe, attention! Ah, il a failli en profiter. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. La longue passe, il peut en profiter. Marquinhos qui met un terme à cette attaque patiemment construite. C'est joué long, attention. Oh, le tacle! Un grand dégagement le plus loin possible. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Dembélé dans la profondeur. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Bon service dans la profondeur. Oh, voici Dembélé. Bon, toujours 0-0. Dembélé. Il joue sur sa gauche. La touche à venir. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué dans l'espace.
Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Aucune chance avec une frappe comme ça. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Ça peut partir en contre. Il a trébuché sur cette intervention. Le Paris Saint-Germain peut enfin respirer après ce coup de chaud. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus cruciale qu'ils étaient en infériorité numérique. Il s'impose physiquement dans ce duel. Tente un long ballon vers l'avant. Dombélé. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Dembélé. Et il continue sa course. Oh, quel geste! Et la touche maintenant. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Donc il va vite sur ce côté. Ça joue long. Le gardien loin devant. Il y aura donc touche. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Diop. Diop. Il cherche la profondeur. Diop, bien servi sur le côté. Il peut choisir de centrer. La tête. Oh, le gardien est là, la classe. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Ce sera un centre. Le centre qui ne trouve personne. Il allonge vers l'avant. Il tire. C'est repoussé. Il est à distance de tir. Quelle occasion, attention! Il décide d'allonger le jeu. Ah, c'est dommage. C'est bien ce qu'ils font. Ils font tout pour marquer, mais ce n'est pas assez tranchant dans les 30 derniers mètres. L'ouverture sur le côté. Le gros dégagement. Oui, il touche. L'OGC Nice qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Il est passé. C'est bien fait. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il rejoue derrière lui. Oui, il peut frapper là! Avec Dembélé. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. C'est joué dans la profondeur. Il allonge le jeu. Et c'est intercepté. L'arbitre accorde un corner. Chut.
Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. C'est joué long. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'y arrive pas. Fabien Ruiz. Le jeu repart vers la droite. Oh, voici Dembélé. Oh, il y a danger. Faut tirer là. Oh, c'est dedans. Un but sur le fil pour débloquer la rencontre. Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil. Il a parfaitement vu le gardien avancer. C'est un but magnifique. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Allez, plus que quelques instants à tenir. Dombélé, la bonne passe. Le jeu repart vers la droite. La longue passe. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. C'est joué long. Dembélé! Il a tenté, bien joué. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? Quelle détente! Et l'arrêt, magnifique! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Bonne lecture de la trajectoire. Le chrono tourne, s'il ne met pas le ballon devant, on va en rester là. Dombélé. Dante. Il cherche la profondeur. Oh, le bon ballon! Oh, le tir! Et ça fait but! Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Ouh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite! On est dans les toutes dernières. Et l'arbitre siffle la fin du match. Et finalement, deux équipes qui vont se quitter aujourd'hui sur ce score nul. Et les spectateurs dans le stade et nous, on a assisté quand même à un très bon spectacle. Alors, que retenir de cette rencontre? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là...